Quoi? Les Lucioles? Baisse-toi! Oh! Putain, mais c'est qui ces types? Connard! T'approches pas! Joël! Mets ton bras sur moi! Allez! Je crois que c'est bon. Joël? Joël! Merde! Joël! Attends! Lève-toi, lève-toi, lève-toi! Dis-moi quoi faire! Allez, tu dois te relever! Joël! Riley? Aïe! J'ai atterri sur la hanche. Putain, j'ai cru que je m'étais fait mordre. Je sais, c'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non? Je t'ai pas vue depuis... Je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin, 46 techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner. Toujours pas de coloc? Moi, j'ai dû dormir en dessous de Lise pendant 3 ans, et tu sais à quel point cette fille pue. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piole. Détends-toi. Crois-moi, il n'y a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé! Hey, t'es fâchée? Si je suis fâchée... J'ai disparu et tu m'en veux. Et je te dois une explication. Sortons d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour. Et j'ai un entraînement militaire. Tu sais, celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Oh. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi. Merde. Allez, il me faut quelque chose. Chier! Voilà. Ok. Je vais te retourner. Putain. Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre, ok? Du rayon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te le promets.
vais où maintenant? Le pharmacien. Il aura peut-être quelque chose sur lui. Oh, allez. Un kit de secours. Et comment je fais pour entrer ? Oula. Oh, que dalle. Oh, je rêve. Elle a gobé les médocs et laissé la boîte. Oh, chier.
35 à droite, 30 à gauche, 31 à droite. Un pec. Merde, des sports. Si vous voulez me sauter dessus, me faites pas non plus poireauter. Oh, Burke. Ressuscite pas, ressuscite pas. Y a rien. Oh, où aller? Ah, la clé. Ok, super. Oh, merde! Putain! Ok. La clé, la pharmacie. C'est parti. De l'armée. Il aura sûrement ce qu'il me faut. Accroche-toi, Joël. Oh.
pas faire de suture. Bon, je me contenterai de ça. C'est parti! Dépêche! Là-haut! Eh ben, c'était chaud, hein. T'as été rapide. Je suis bluffée. Merci. Allez, viens. On y va. Dis, comment tu t'y es pris? Pour les lucioles? Ouais. Tu te souviens la luciole que t'as mordue pour lui piquer son flingue? Ouais, je m'en souviens très bien. C'est Trevor. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je l'ai suivi. On est entré dans une ruelle et là, les lucioles me sont tombées dessus. Elles m'ont emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur? Carrément. J'ai cru que cette fois, elle allait me trucider. Mais en fait, elle m'a dit « T'en as mis du temps ?» Comme si elle m'attendait. Et t'es juste devenue une luciole ? C'est un peu ça. Le coup de l'embuscade pour me tuer, c'était un test. Elle voulait être sûre que j'étais motivée. Oh. Allez. On est dans les temps. Avec qui tu traînes ces temps-ci? J'en sais rien. Pas grand monde. Même pas avec Tino et ses potes. Comment ils vont d'ailleurs? Riley, ce sont tes amis. Et pourtant, tu leur parles bien. Ouais, des fois. Et t'as trouvé la lumière? Oh, ah ah ah. Oh, désolée, je voulais pas me moquer de votre démarche. Bon, alors, t'es à fond dans leur trip maintenant? Je t'assure que je suis pas un soldat. Trente jours, mon cul. Les gens se font infecter tout le temps. Ils le cachent bien, c'est tout. Me dis pas que t'es tombé sur d'autres infectés. Même que pour l'initiation, ils m'ont demandé de tuer. En fait, je préfère ne pas en parler. D'accord. Oh merde, planque-toi! Oh. Pardon. Je suis un peu sur les nerfs, là. Fais gaffe, ça glisse.
Eh, dis, et si je rejoignais les Lucioles? Ellie, c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. Pourquoi ça la concerne? Elle a peur que je te crée des problèmes. Hé, tu te souviens la première fois où je t'ai amenée ici? Qu'est-ce qu'on fout ici, Riley? J'ai une surprise pour toi. Quoi? C'est un dinosaure? Peut-être. Je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets? Tu déconnes? Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus? Bien sûr que non. J'ai farfouillé dans son bureau. Riley, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Mais je me suis fait pincer. Et t'as morflé? Corvée de ménage pendant 2 semaines. Les chiottes. Oh, Ellie. Je t'ai déjà dit de faire une croix dessus. Il te les rendra pas. Je les récupérerai un jour. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, il y a encore combien de morts naturelles de nos jours? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûre? Quoi? C'est Winston? Waouh, il était pas dégueu. Bingo! T'en veux? Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. Oh. La vache! Tiens, c'est dégoûtant. Eh oui. Ah, la tienne, Winston. Ouh! C'est fort. Allez. Mais oui, princesse. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jument. Elle doit être terrorisée. Merde. Ellie, aide-moi à lever ça. Je déteste ramper là-dessus. J'ai toujours peur qu'on se fasse écraser. T'inquiète, tu me suis. Tu sais quoi? Si on trouvait un autre passage. Ouais. Pas mal. Hé, hey, Maxa, il y a un passage ici. Vas-y, viens m'aider à monter. Et sois prudente. Comme d'habitude.
Riley ? T'es nul, ça fait deux fois aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on soit jamais venu ici? Viens là, j'ai justement le masque qu'il te faut. Riley. Parfait. Regarde ça. C'est quoi ça, un loup-garou, un truc dans le genre? Enfile-le. Ouais, ça le fait. Et grogne. Ellie, sérieux? Fais-moi peur. Je t'adore. Mais voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Mort de vin. Pose-lui une question, si tu l'oses. Ok. Est-ce qu'on va mourir aujourd'hui? Que dalle! Il faut que tu la retournes, Einstein. Vos os sont bien à l'abri. Ah! Ouh! Ça va déjà mieux! Qu'est-ce que t'en penses? Trop mignonne. Merci bien, gentil pigeon. Ces masques sont encore plus cool. Quoi? Mais les vampires, j'adore ça! Je suis le comte Dracula. Les souliers de Ruby, qu'est-ce que tu as bien pu en faire? Oh, mon toto! Mais quelle horreur! Trop naze. Et des vampires. D'accord. Et ça se vend, ces trucs? Je comprends pas. Ah, j'ai une idée. Tu vois ces voitures en bas? Ouais,
Toi, tu prends la rouge, et moi la bleue. La première qui casse toutes les vitres de sa voiture avec des briques à gagner. Tu déconnes ? Je suis la pro du lancer de briques. Ok. La perdante doit répondre à une question. Mais sincèrement. C'est vérité ou vérité, c'est ça ? Ok, bouffonne. C'est parti. Oui, joli ! Ouais. Je suis trop nul. Et bim. Deux cafés. Ça, c'est du lancer. Touché. Ouais, t'as vu ça? Tiens. Putain, ouais. Dans le mille. Plus qu'une. Yes! La déesse des briques! Les vitres de la mienne étaient plus solides. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bon, c'est l'heure de la question. Ouh, j'ai peur. Bon, qu'est-ce que Marlène dit sur ma mère? Peu de choses. J'ai cru comprendre qu'elles étaient amies avant le début de l'épidémie. Oh, et elle a dit que ta mère était infirmière. Infirmière ? Apparemment, elles se disputaient tout le temps, mais s'aimaient beaucoup. Ça te rappelle rien ? Si. Allez, je vais te montrer ce truc. On y est presque. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça me file la chair de poule. Bon. Tu te rappelles quand on disait qu'il n'alimentait que certaines parties de la ville? Ouais. Bah, suis-moi. Ellie, par ici. Donc, tu vois, toute la ville a du courant. Ils ont juste fait sauter les plombs. Il suffit simplement de les réenclencher. J'y crois pas, ça marchera jamais. Oh. Qu'est-ce que je t'avais dit? Attends, on a tout allumé, là? C'est ce qu'on va voir. T'es vraiment prête pour ça? Attends, je sais ce que t'essaies de faire, et
Je suis contente que tu sois en vie. Enfin... Je suis contente qu'on se soit retrouvés et... Je le pensais pas. Tous ces trucs que j'ai dit avant de partir, j'en pensais pas un mot. Je te le jure. Riley, t'es une vraie sentimentale. C'est toi qui as commencé. C'est pas vrai. T'es prête? Carrément. Wow, c'est pour de vrai?